Bonjour à toutes et toutes, à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche matin, le mec il fait des fins de phrase, il est fin de batterie. L'horreur. Ah non, ça va, moi c'est cool, j'ai bien dormi. Oh, la joie de faire une nuit en un seul bloc, bien comme il faut. Ah, je me sens vivant. C'est beau! C'est beau et on a une histoire africaine à finir. Alors, bonne nouvelle, j'ai pris mon temps ce matin avant de démarrer. J'aurais pu honnêtement démarrer avant 9h. Mais on n'avait rien à bousculer, c'est pas grave. J'ai relancé les bibis ce matin. Vous savez que ça tourne, je sais plus, toutes les 4 heures. Ce qu'il y a dans le magasin virtuel. J'ai acheté ma fraise. Ça y est, j'ai la bille en forme de fraise. Je me suis même acheté un truc de carte quand on affiche les coordonnées des joueurs avec une belle aquarelle multicolore. Ça pète en couleurs, c'est magnifique. On verra ça samedi prochain et je suis trop content. Là, je peux dire quand je joue aux billes, je ramène ma fraise. Ça change un peu mon œil de Sauron. Moyen de la voir, il évite tout le tir. Ah oui, merde, ça que c'est. C'est la guerre. J'envoie une fusée. Oh putain. Oh. Eh oh, pas sur moi la fusée, salopard. Ils sont tués un peu, les cons. Merde, c'est de chair. Wouhou! Reprise ultra sport de la mort qui tue. Ah oui, c'est le coup de la pompe. Oh, on est proche de la fin. Si c'est pas un côté, c'est l'autre. C'est matin violence. Dur. J'aimerais garder le véhicule si c'est possible. Merde! C'est pas possible. Salopard. Dur. Soigne. Je recharge mes armes. Je crois qu'on peut y aller. Voilà. Là, c'est marrant, j'ai repris dessus. Je récupère des trucs. Hein. Je récupère du matos. Oh, j'ai une gêne dans la narine. Excusez-moi, je me tripatouille le nez, mais... C'est le genre de sensation hyper désagréable. Ah, ça fait plaisir. La
machine qui s'est un poil enrayée. Ce n'est pas ma guerre. Oui, Ronnie. Bonjour, Ronnie. J'espère que ça va bien, Ronnie. Non, je suis content, je me suis sorti d'une situation épineuse. J'avais sauvegardé dans un... Excusez-moi du peu, un merdier pas possible. Et du coup, de reprendre frais, là, en 2 minutes, c'était réglé. J'avais retrouvé des bons réflexes. Ouais, je vais bien, je suis content, j'ai super bien dormi. Ah, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. J'espère que toi aussi, tu vas bien. C'était quoi la mission? Je sais plus. Péter les pompes. Hein. Détruire le pipeline au site de construction avec le TNT. L'UFFL se sert du pipeline pour exporter de l'eau douce du lac Ségolo vers les pays voisins en échange d'un joli pactole. Le système de contrôle est hors service. Maintenant, je dois détruire le pipeline mais trouver un endroit pour admirer le spectacle. À la guerre comme à la guerre. Attends, la carte dit quoi? Ouais, je vais avoir de la résistance d'ici là. J'aimerais bien avoir le culot d'aller à pied, mais sur le pipeline. J'adorerais avoir ce toupet. Voilà. Là, ça va me plaire. Merde, je prends le tuyau qui descend vers le bas alors que je veux celui qui garde de l'altitude. Pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de nuit comme ça. Ah, je pense que c'est retour de l'air frais. Il est bon de dormir dans des bons draps chauds, mais avec de l'air frais. C'est excellent pour le cerveau humain. C'est comme ça que tu dors le mieux. Ah oui, j'ai le lance-patate, il m'en reste 2 encore. Oh ouais, l'arme de poing, j'aime beaucoup moins. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ouais, la fraîcheur pour dormir, ouais, ça aide énormément. Ouais. Et non, c'est... Oh là là, c'est... C'est que du bonheur. Je tends l'oreille parce que... Merde, la malaria qui fait suer. Je vais pas tarder à avoir un comité d'accueil, normalement. Demandez même si j'en ai pas déjà un, là. Bon, là-bas, au loin, il y a forcément du monde, mais... Je suis pas censé aller au contact. Alors, la carte dit quoi? Ouais. Sur la diagonale, c'est là-bas que ça va péter. Si, exactement. T'as tout compris. Enfin, quand tu dis C4, c'est... L'intitulé du jeu parle de TNT. Que j'avais chopé dans la mine. Mais ouais, c'est ça. Il faut des explosifs spéciaux parce que c'est du matos lourd. Donc il va y avoir un gros feu d'artifice. Mais c'est ça, Ronnie, ouais. Tu suis très bien intrigué. Bonjour, Cinéane. Moi, c'est adorable, merci pour le coucou. Ouais, ça va bien, c'est le constat que je faisais avec Ronnie d'avoir passé une bonne nuit de sommeil. C'est régénérateur, je pense que tu vas bien aussi, Cinéane. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai regardé un peu le cowboy, là, le monsieur Rachid qui faisait du Red Dead Redemption. Et j'étais éteint. Je pensais faire l'idiot sur le chat et déconner, mais sorti de table, j'étais éteint, c'était même pas la peine. Waouh, merde. Merde, Doom. Ouais, ils défendent stratégiquement l'endroit.
Mais c'est drôle que tu puisses aller sur le pipeline comme ça. Si. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je me permettais d'être précis, Ronnie, par rapport au terme du jeu. Bonjour, Nayane. Ouais, comme tu dis, Cinéane, il y a des moments où on n'a plus d'énergie. Et là, hier soir, vraiment, j'étais le jouet dont fallait immédiatement changer les piles pour qu'il fonctionne, tu vois, c'était... Là, pour le coup, j'ai pas eu de soucis pour m'endormir. Une fois glissé dans mes draps, je pense que j'ai même pas mis 5 minutes pour m'endormir. Perdre connaissance, c'est partir dans le sommeil. Et non, trop bien, j'ai dû faire un truc comme... À quelle heure? Je sais même pas à quelle heure je suis couché hier soir. C'était avant minuit, sûr. Il était peut-être 23h quand je me suis endormi. Pour me réveiller, quoi, il était 8h30, là, je me suis réveillé il y a une heure. Le temps de faire ma toilette, de remonter mon décor en deux mouvements pour le direct Twitch. J'ai attendu longtemps pour jouer à Flatout avec toi. Bah. Alors, je suis navré, Nayone, mais Nayone, j'ai fait du Flatout en multi avec AJ hier. On l'a fait de 14h à 15h. Bah, je suis désolé au niveau de l'organisation, Dayonet. Mon pauvre, t'as dû avoir une de ces frustrations. Bah, si tu veux, tout à l'heure, on pourra en refaire un peu. Avant le déjeuner, là, je fais du Far Cry, et puis en fin de matinée, si tu veux, on en fait ensemble. Alors, je suis désolé, Dayonet. On a merdé notre communication et notre organisation. Oh non, j'ai eu un superbe duel avec Edge sur Flatout hier. Il y a eu l'attaque! C'est parti! C'est con! On peut rien faire ici! Très dur quand t'as pas de snipe. Ça sent mauvais! Il faut aller aider! Non, faut rester ici! Très dur lorsque tu n'as pas de snipe. Bon, allez, on voit la malaria. Ça va pas, non? Moi, je te couvre si tu veux. Qui c'est qui m'a? Ferme-la et vas-y! Mais qui sont ces clients? Rien, moi. Il est où, merde? Je crois pas! Par là! Je crois que ça va être tout donné! Ah si, il y avait bien un mec à côté de l'arbre. Non, c'est pas ça, Ronnie. Flatout, c'est le stock car, c'est les bagnoles qui se rendent dedans. Flatout, c'est du stock car, comme on dit en américain. C'est les voitures, jeux de quilles qui se rentrent dedans. Alors, il y a une vraie course, mais... Ok, on s'était mal compris, j'ai mal expliqué. J'étais trop long pour mes courses alimentaires. J'ai compris maintenant. Ah, d'accord, Nayane. Oui, t'as eu tellement de courses à faire, t'as été pris dehors et t'as jamais pu nous rejoindre. Mais c'est pas grave, si tu veux, il peut y avoir une revanche tout à l'heure. Si le cœur t'en dit, je reste évidemment ouvert à faire des jeux en commun. Oh la vache. Waouh. Dur, je me fais allumer. Ouais, volontiers, c'est cool. Ah, ça me fait plaisir d'avoir autant d'enthousiasme. Oui, j'ai Destruction Derby. Excellente référence, Cinéane. C'est ça. C'est exactement dans la même lignée que ça. Ouais. On pourrait même dire que c'est un digne descendant. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Dragonski.
Bonjour Dragon Sky, j'espère que ça va bien. Oh, Sinan qui dit référence de jeu. Merde, la végétation est maquinée. C'est con, on peut rien faire d'ici. Alors Far Cry Cinéan, j'aime beaucoup. Far Cry, alors j'ai dû laisser sur ma chaîne YouTube des extraits du tout premier Far Cry que j'ai joué il y a très longtemps. Je ne m'y revois pas y rejouer, mais il était excellent à l'époque. Le 2 que je vous refais pour une troisième fois pour moi, mais c'est la première pour vous. Le 3, c'est un des rares jeux, le Far Cry 3, d'avoir torché à 100%. J'avais commencé sur PC, j'avais eu un bug, parce qu'à l'époque, ma carte graphique n'était pas puissante. Et j'avais eu un crash, je ne pouvais pas aller au bout de la carrière. Donc je l'ai racheté sur PlayStation 3. Et j'ai fini Far Cry 3 à 100% sur PlayStation 3. Je rappelle d'ailleurs, pour l'anecdote, que c'est grâce à ce jeu que j'ai appris les bases du poker. On peut jouer aux cartes avec les villageois dans les bars. J'ai un tout petit peu découvert Far Cry 4 sur PS3 aussi. Mais comme ça met la PlayStation 3 sur les genoux, bah c'est une version dégradée de PS4, de Far Cry 4, que j'ai à nouveau racheté il n'y a pas si longtemps que ça sur PC. Far Cry 4 que je vous ferai dans le futur sur ma chaîne. Et les autres Far Cry, je les connais pas. Le Far Cry préhistorique, la Primal, je le connais pas. Et au-delà, je connais pas. Le 5, le 6, le 7, je connais pas. Mais j'adorerais les faire dans les années à venir. Je suis un fan de Far Cry. Y'a pas de soucis, Ronnie, bisous, bon week-end. Bon courage si tu bosses. Mais merci d'être passé, Ronnie, ça fait vachement plaisir. A plus. Vas-y, je te couvre. On peut rien faire d'ici. Le 5, j'aime beaucoup d'ici, Néan. Moi, j'aime les méchants religieux. Ça attire les mecs à cet endroit et du coup ça m'arrange pour les abattre. C'est horrible mais... Génial, mon flingue a explosé. Ça fait plaisir. Ah bon? Ah ouais! Tiens, tu m'en as jamais parlé, Nayonet. Ouais, le fait de peigner Riglis. Ça sent mauvais, il faut aller aider. Erreur de clavier. Ah mon dieu! Bordel, il est là! La poisse, y'a une attaque! C'est ça, mec! On peut la couvert! T'inquiète pas, vas-y, la couverte! Merde, allons-y alors! Grenade! Il est où, merde? Par là! Je crois que ça venait de ce côté! Oh là là! Ouais, c'est le nom du chat de Nayonet, Réglis. Dont t'as entendu le... J'ai immortalisé le... Waouh! Ça le masse, ça lui fait des frissons en même temps. Ouais, c'est bien. Merde! On dirait que la sauce passe pas très bien! Oh mon dieu, quelqu'un attaque!
Le problème, c'est qu'avec l'arme de poing, j'ai du mal à les voir. Merde. Là, si je recharge alors que je me fais allumer, je suis mort. Faut quand même que j'ai un droit de réponse. Ça va être beaucoup ça hein, aujourd'hui. Je suis désolé, on arrive près de la fin du jeu là et c'est des échanges de tirs de gros malades. C'est bon, on peut rien faire d'ici. C'est seul contre tous, là ça devient très violent. On se fait attaquer ? Aïe aïe ! On peut rien faire d'ici ! Quelle merde ! À terre ! Là ! Ça fait là ! N'en sors bien. Merde. Non, allez, je descends du coup. Bien essayé, mais ça l'a pas payé. Je regarde le direct sur PS5 et les messages téléphone. Waouh. On s'organise comme on peut. C'est con. Eh ben. On peut rien perdre ici. Merde, homme! Merde, couvre-moi, je recharge! Voilà! Ah oui, je vais l'avoir parce que je vais contrôler. Ah non! Oh là là, ouais, je veux bien boire un coup, merci, mais non là. Ça, alors, ça, c'est bug. Comment on appelle ça en anglais? Hitbox. La boîte de collision. Et en fait, la physique de l'objet ne correspond pas à ce qui est dessiné. Et du coup, il m'a compté comme si j'avais tiré contre un mur devant moi. Donc, je suis mort bêtement. Oui, volontiers, petit café, merci. Mais qui sont ces types? Je crois qu'il y a qu'un ennemi. Allez, allez, allez. C'est ça, merci Dragon Sky, exactement. À mon avis, il est ouvert. Je peux pas le faire sans eux, c'est ça le petit. Ça va être ce côté. On peut rien faire d'ici. Merde. Hein? Help! Ivan! Hey, see so I can know him, Gunnar! Descends-le, je vais le retenir! Merde, j'ai plus de molotov, j'ai plus de grenades, je suis à poil. Ah, j'ai gagné une grenade. Oh joli! J'ai très bien utilisé la grenade. Non, sérieux? J'ai la voix qui est libre? Énorme! Ah non! Non, il me faudrait une trousse à pharmacie, moi. Oh, excellent. En plus, il y a des choses ici. J'entends un bip 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 de radar. Il y a un mec qui m'allume de là. Il est où, gars? Ah, il est là-bas, je crois. Attends, dis-moi que j'ai le lance-patate. Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de gars. Ah ah. Terminé. Ah. Il n'y a plus de vigie. S'ils viennent par là, je me tiens prêt. Ah.
Merde, je pensais que j'avais une grenade, mais non. Je n'ai pas de grenade. Ah, un joli caillou en cadeau. Bon, bah je vise plutôt bien. Oula, Dragon Sky qui me dit... Le masque de collision Witbox est un terme spécifique au jeu vidéo qui définit la zone sensible d'un élément de jeu, un personnage, un vaisseau ou projectiles ennemis. Motif de tir. Cette notion de gameplay est essentielle dans les jeux d'action et notamment dans les shoot-up, c'est-à-dire flinguer les tous. Enfin, tirer sur tout ce qui bouge. Dans les shoot'em up, justement, sortis après 2000, et plus particulièrement les Manic Shooters, le masque de collision est souvent très petit, de l'ordre de quelques pixels de large. Et oui, ce qui requiert une grande précision. Précision, pardon. Merci, Dragon Sky. Masque de collision, en français. D'accord. Ah, salopard, il n'était pas mort, il était en survie et il m'a liquidé dans le dos. Ah, où est parti? Il est quelque part par ici. Vite, il est passé par là. Je l'ai mal liquidé. Oh! On va rire. Ah non, on va pas rire. Merde, le truc qui est à ongles fermé. Merde. Il restait un moustique, non? Merde! Quoi, il est dans l'entrepôt? Ah oui! Effectivement, il va y avoir un joli feu d'artifice. Et la TNT se pose où? Non, ça c'est un réservoir d'eau. Bah ouais. Ce serait la grosse pompe là en orange. Ça se tient. Gros boom, je crois. Voilà, l'eau reste au pays. Arme embarquée améliorée aux planques. Wow. Bon, moi il me manque un flingue. Comme j'ai un flingue qui a pété. Oh, niveau de réputation 4. On va laisser tomber. J'avais même pas qu'on pouvait. C'est beau. J'aime bien l'animation. Bonjour Bastos. Et vous avez enchaîné des défaites. Oula. Oula, j'ai oulala. Bibi. Tout c'est tôt. Ah. Je te félicite pas, tu... Ah ouais, précieuse ressource. Bah oui, mais bon. Cette eau a été volée au pays. Ça retourne à la nature. Ça fait un beau canyon. Il est beau le geyser. Mmh.
Bon, j'ai mon gros flingue à la Rambo qui est pété. Il m'en faut une de substitution. Ils avaient quoi, les marioles? Ouais, mon lance-patate, il me reste un gros truc. Ouais, le pompe peut être pas mal. À voir. Bref. Ça ne fait rire que moi. Il marche bien ce flingue. Ouais. Fusil de fortune, ça me fait l'effet là. Alors attendez, il y a une vigie là, je veux voir. Il y a peut-être du bon matos sur la vigie. Faudrait aller vérifier. Ta la 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 la. Moi, il est beau ce geyser. Là, j'ai une lunette de snipe. Merde, la malaria qui fait bobo. Oula, attention. Merde, bon, c'est ça que je vais faire. Overwatch, ça faisait longtemps que j'ai arrêté. Je suis dégoûté par Blizzard ces derniers temps. Ah merde. Pourquoi il y a des sauts? Il fait popo sur place, le gars. Ah, c'est mieux que rien. Alors, je peux remplacer l'arme de poing par un Uzi. Ouais. Ça peut être pas mal aussi. Bah, ça change un peu. Pour le fait que je confisque les flingues de l'ennemi. La mission dit quoi? La mission dit qu'il faut que je me barre là-bas. Bon, ben on va se barrer là-bas. Pourquoi monter sur le toit? Oh my god. Puis l'arnaque de l'annonce d'OW2 qui devait être joueur contre équipe et finalement que public. Ah. Eh bien. Ah, qui c'est qui cherche à me vendre? La mine est inondée. C'est magnifique. Mais il me cherche maintenant. Viens vite. Ah bah merde! Elle me dit ça au moment où je me promène peinard à pied. Alors faut que je mette la main sur un véhicule maintenant. Alors attends, au niveau de la planque, il y en a ou pas? Oui, il y en a un. On a du bol. Attends voir. Au niveau des munitions... Ouais. Hop hop hop! J'entends quelqu'un dans la case bas. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Tu m'étonnes. Okay. C'est dangereux ici. Je reste près de toi si tu veux. Ah oui, je veux bien. Pas de problème. Hey, t'es malade de travailler avec Nasrin. Elle est folle. Surveille tes arrières. Ouais, peu importe qu'elle soit folle, mais elle gère bien le conflit. Elle est douée, la folle. Elle est douée. Alors, allons sauver la folle, comme on dit si bien.
Je vais passer par là. Merde, il y a une trotte à faire avant de l'argent. Qui va m'aider l'autre. Ah. Oui, pour ceux qui se posent la question, Poupon se porte plutôt bien. Poupon a retrouvé son nouveau, il est en Bretagne, hein, donc il subit la tempête. Il a retrouvé l'électricité hier. Par contre, à notre grande surprise, il est venu témoigner comme quoi il n'avait plus d'eau potable. Donc il y a une distribution d'eau en bouteille hier. Ça va, je peux les arrêter. Mais il est très content d'avoir retrouvé évidemment l'électricité. J'ai vu deux hommes au moins, t'as beaucoup de munitions. Dur. Dur, dur, dur. J'essaie de tirer. Évidemment, les flingues sont pétées, donc c'est naze. Non, mais je vais être radical. Une bonne grenade, et puis je bam. Ah oh bah oui, il veut essayer de m'aider, c'est vrai. Yeah. J'ai vu deux hommes au moins. Quelle munition? Hey, t'es blessé. Quoi, pas de problème, c'est ok. Croyais que t'allais pas venir. Aide-moi. Il y a plus personne. Ben, il y a le mec là, mais. Oh non, le bug de collision débile. Voilà, on n'en parle plus. Pipopat. Sacré pipopat. Pipopat. Bon, attends, je vais reprendre un véhicule. Réparons les véhicules. Lentement, mais sûrement, je vais essayer de rejoindre la Miss. Il est victime d'un assaut. J'espère qu'elle arrive à sauver ses fesses. Tu es très matinal, dit Dragon Sky. Je me survie à 8h du mat. Ah, c'est bien. Dans l'essentiel, c'est de se sentir bien.
carte. Ah merde, effectivement. Vu le relief, je peux pas débarquer comme un fou furieux. Merdoum, il y a du monde. Ouais, je me fais déjà allumer. Ok, je viens de me manger une roquette magnifique. Oui, Cinéane, t'aimes beaucoup toi aussi Far Cry. Je suis dans la mouise. Waouh. Waouh, c'est cool le Dragon Sky. Vite. Encore. Merde, là. Dommage. Dommage, dommage. Wouhou. Ça, c'est de l'action. 200% action. Oh merde, il tire une roquette l'enfoiré. Au moins il a éliminé son pote en même temps. Ah, je l'ai eu. Oh. Oh. Oh la vache. Merde, la bagnole peut servir, vite. Je vais me garer la bagnole là parce qu'elle pourrait me servir. Ah, il y avait un gars là-bas. Non. Eh ben. Ah. Ça c'est fait. Le gars il avait quoi? Ouais, lance-roquette. Ah, je peux le prendre. Ah, sympa. Je vais faire des dégâts avec le lance-roquette, ça va être drôle. Bon bah tant pis pour la bagnole, hein, elle va. Ça flambe tellement par ici que. Wouh. Ouais, Blood Dragon, plus mal, ouais, c'est bien, c'est cool que tu les aies tous, Dragon Sky. Tu vas t'éclater, le potentiel de... J'ai envie de dire d'éclaterie, c'est pas français, mais... mais tu vas... C'est génial, franchement, c'est génial. Bon, la mise, c'est dans la mine. Bah finalement la bagnole est plus. Ah non, peut-être pas, elle est peut-être en train de... Merde, elle est en plein dans les flammes. Ah bah je suis bête, j'ai celle-là. Coucou. Bonjour Twitten. Eh bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh la vache, c'est pas la porte à côté. Choses.
Oh vache. Il y a du monde. Oh là là. Mais je te laisse pas, ma grande. S'il te plaît. Allez, allez, allez. Faut qu'on abatte ce type. Oula. Oula, oui, ils m'ont bien abattu. Dommage, bien essayé de ma part. Mon entrée était plutôt très pro. Mais dommage. Il y en a un qui a fini par m'avoir l'usure. Ah, attends, je suis arrivé en fonçant comme ça. Dur. Alors, j'ai gagné un lance-roquette qui peut faire beaucoup de dégâts. Merde, ça peut devenir drôle. L'assaut se passe pas très bien. Attends, il y a qui m'allume. On peut rien faire. Les enfoirés. Merde. Non, mais non. Encore la zone de collision du rocher sur lequel je m'appuie qui est... Bonjour Tota, j'espère que tu vas bien, visiblement tout le monde va bien. Tu es une scène, dis-moi aujourd'hui c'est dimanche et demain je suis au boulot. Bah oui. Merde, alors que je viens de me vendre. Cette scène n'a jamais existé, je vous le dis tout de suite. Et B. Merde, je me suis coincé avec le véhicule. Voilà, alors que là je suis bien. Alors, est-ce que je vais réussir ma farce? Voilà. Son le gars. Ah. Merde. Je les ai tous eus. Ça va, ma grande? Bon, bah, visiblement, j'ai réussi. C'est cool. Aïe. Oh, ce plongeon de fou. Merci pour le clip. Je veux monter sur le quai. Ouais. Comment ça va, Mich? Bonjour, toi. T'es un bon tireur, même si tes goûts en matière d'armes sont un peu étranges. Bon, je peux m'en sortir toute seule maintenant. Très bien. Elle est marrante, elle. Wow. Alors, la roquette, franchement, j'ai fait un strike. J'en ai éliminé 4-5 d'un coup, rien qu'avec la roquette, visiblement. Magnifique. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, le carnage. C'était la roquette de la rentabilité absolue. Ah, je me souviens, je suis déjà venu ici. Ah non, c'est une bouteille d'eau qui me manque au niveau de la santé.
Ah, j'ai une bouteille d'eau qui n'ont pas, si, là, voilà. Alors, que dit... Que y a que la capitale où je peux aller? Ah ouais. Bon, bah écoutez, je vais rejoindre le fleuve et puis on va... Ouais, c'est dingue, c'est devenu un étang, la mine. C'est beau, hein. La mine est devenue un étang. Oh, le bordel. Le bel étang de la mine. Oh. C'était pour le délire. Comment ça, tu dis Nayone que Torota te snob? Mais non, mais non. Fait 10 degrés à Nancy. Oh mon dieu. Non, ça va, moi j'ai 17, ça va chez moi. C'est... Faut pas que ce soit plus bas sinon j'allume le chauffage, mais... Là, avec un bon pull à 17, je suis bien, moi. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Chuchu 14. Caisse d'assurance familiale. Bonjour, Benzaiten. Dans ton salon, il fait 26. Non, t'es sérieux, Sian? Oh, 26, c'est trop chaud pour moi. Je me plains déjà à 20 degrés qu'il fait chaud, alors 26. Da 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 da, di da 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 do. Tout va bien, je me baigne dans une eau putride. Bleh. J'aime trop le côté étang. C'était vachement haut, hein, souvenez-vous, ici. C'était vachement haut. Attends, est-ce qu'on voit le fond? Ouais, on voit le fond, mais... Oh là là, c'est trop bien qu'il y ait de l'eau ici. Bon. Ouais, le coup de la pompe de l'époque. Bon. Ibi! On va gagner une Jeep tout confort! On va rejoindre la capitale en Jeep tout confort. C'est beau. Sinan dit ma maison conserve bien. PC plus télé, terrarium. Ah oui, 2 mètres, ça chauffe. Et B. Comment que ça va, Benzaiten, aujourd'hui? Dis-nous tout. On merde! J'ai pas vu que. Quand je faisais la manœuvre avec le véhicule, j'allais dans l'eau. Ah merde, je suis tombé du ponton. Bon bah, on ira pas à la capitale en voiture de luxe. J'ai cassé la voiture. Ouch. On aurait peut-être dû regarder à deux fois. Je vais me barrer par là-bas. Oh la vache. Ah, ça fait une nouvelle rivière. On se croit au Vietnam là. Franchement, ça fait Vietnam. Oh là là. Oh, en train de rendre dingue la voisine du dessus. Chanter Renault qui lui fait quoi? Ouch. Dire de choisir le Far Cry favori de 3 aventures épiques. Ouais, non mais il y a aussi l'antagoniste qui est charismatique, qui est Vas Montenegro. Alors, si je me souviens bien, Vas Montenegro, le personnage, il y a l'équipe de développement qui a flashé sur un des doubleurs de la version originale. Et le mec, voilà, c'est l'incarnation même de Vas Montenegro. Et ils l'ont modélisé, ils trouvaient que le gars était trop... était vraiment marquant.
Donc c'est un doubleur de la version originale qui s'est retrouvé en modélisé en antagoniste. Mais il y a pas mal d'anecdotes autour des Far Cry. Il y en a pas mal. Ah, j'entends quelqu'un. Livraison de véhicules ou quoi? Ah oui. Il y avait du monde au-dessus. Ah merde, il y a du monde. Ah merde, je l'avais dans le dos. Oh, je suis surpris. Je m'attendais pas à voir quelqu'un dans le dos. J'avais pas vu que j'étais suivi. On me l'a dit de faire de la voiture chez soi, ça dérange les voisins. Ah merde! Le mec était à côté de moi, tranquille. On dirait que la sauce passe pas très bien. S'il vous plaît. Il cueillait des champignons. Ah. Oh, attends. Ouais, mais je pourrais pas. Ah si, je peux, c'est un truc de 60 degrés. On peut rien faire d'ici. Celle-ci n'est pas bugée. Ça bouge. Y a pas de bouteille de flotte? Oh. Attends, on est d'accord que l'autre est bien mort. Merde. Y en a un qui arrive à m'allumer. Il est où le gars? Ah, je vois que vous m'interpellez. Attendez, je vais vous lire. Comment il a fait pour m'allumer, le gars? Je vois pas où il est. Il est où, quoi? Ah, bah il est devant moi. Voilà, exactement. Saute de joie. Ah! Il a la grenade au niveau des roubignoles. Il va faire un salto arrière. Non. Il est sérieux, lui? Oui, Carbenza a dit qu'elle a dérangé sa voisine de dessus en chantant du Renault. Faute d'orthographe fait exprès. Ah, oh. Je viens de comprendre. Purée, toujours aussi longue à comprendre la meuf. Oula. Bon, je suis où et je vais à la capitale. Si je pouvais avoir un véhicule à nouveau, ce serait bien. Ah, bouteille d'eau. Ah, ah, ah. Il y a de la ressource dont j'ai pas besoin, dommage. Dommage, je suis au taquet. Ça, c'est bon. Trousse de pharmacie bonus. Ah, il y a du monde. J'entends un véhicule. Ah, bah, j'ai deux véhicules pour moi déjà. Je pense qu'ils se sont barrés par là-bas. Attends. Ouais, la carte fait flipper par moment. Alors, petite pause pour moi. Excusez-moi, je m'absente 2-3 minutes. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Excusez-moi. Là, je reviens rapidement, hein, au possible.
Excusez-moi, me revoilà. Oh mon dieu. Ah, ah oui, alors que l'univers est rempli de surprises, tu m'étonnes. C'est ça qui est beau. Eh ben, je suis surpris de m'avoir mis délibérément au bord de la route. Je pensais me faire liquider par une patrouille mobile le temps de mon absence. Et je suis vraiment surpris de voir qu'il m'est rien arrivé. Eh bien. Allez, où, suite de l'histoire. Repépé. Ça parle mal. Bizarre la Jeep, elle a la tremblote. C'est bon, j'ai un poursuivant. Non. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ici? Waouh. Bah alors, pourquoi c'est barricadé? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher ici? Ouais, il y a une arme, mais... Alors ça, pour être bizarre, ça l'est. Que signifie? Bonjour monsieur. J'étais radical. J'étais radicalement méchant. Mais elle m'intrigue, cette... Vraiment. Merde. Ah, je fais tout pour aller dessus, puis j'y arrive pas. Alors, mon perso n'arrive pas à courir et sauter. Peut-être la malaria qui l'a... Ah, merci. Alors, une fois que je suis là-dedans... C'est un flingue particulier? Eh, c'est moi ou le flingue? Il est en or. Mesdames et messieurs, j'ai récupéré un flingue en or. Ça, c'est dommage. Je peux pas récupérer le sac à dos. C'est fou ça. Oh merde, médecin. Mon flingue est en or massif. Alors, c'est la troisième fois que je fais tout le jeu Far Cry 2. Je crois sans déconner que c'est la première fois que je décote, je dégote, je sais plus parler français. Enfin, que je trouve ce flingue en or. Fantaisie de dictateur. Bon, bah, je vais essayer de le garder longtemps, celui-là. On va
va aller à la capitale. Les gars m'ont cueilli au carrefour, si j'ai bien compris. Ils étaient où les mecs? Bonjour Christella. Oui, bon dimanche à tout le monde, merci. C'était pas une patrouille mobile? Ça m'étonne. Qui c'est qui m'a repéré quand je me suis engagé dans cette... qui a une planque. Il est vrai qu'il y a une planque. Avec mon flingue en or. Oh, je suis le plus fort. Il y a un mec dedans. Ah oui, et un confrère mercenaire. C'est cool. Je suis pas comme tu veux. Ouais, il a pas changé. Dangereux ici. Je reste près de toi si tu veux. Garde toujours ton arme à la main. Un rigolo lui. Et la carte me dit. La carte me dit que je vais aller en bateau, en embarcation fluviale à la capitale. Je laisse la Jeep de luxe au carrefour. S'il y aura une troupe ou pas mobile qui va venir me faire la fête. Là, ce qui est cool, c'est que je suis pas pressé. J'ai pas d'objectif horaire. Là, je suis libre de mes mouvements, donc ça aide. Le soleil manque un peu, ouais. Oui, je fais un bis repetita parce que je profite de ton arrivée, Christella, pour faire le point sur Poupon. Alors, j'ai pas regardé Discord ce matin, mais Poupon a eu gentillesse de me faire un coucou hier soir. Il a retrouvé l'électricité, par contre, il a plus d'eau potable. Il a eu le droit à une distribution de flotte en bouteille hier. Mais ça, c'est un truc qui m'a surpris, je m'attendais pas à ce qu'il soit... ce qui soit déconnecté de l'eau potable. Donc ça peut être chiant. Ça peut être chiant.
Voilà pour les dernières nouvelles avec Poupon qui nous embrasse parce qu'il est bien content qu'on se soucie de son sort. Mais il arrive à s'accommoder. Ah. Il arrive à s'adapter à la situation. Bon, visiblement, je peux avancer. Oh, il y a même un mec sur le... Il avance bizarrement, le gars. Toujours le point de départ où ça flambe, c'est pas cool les lance-roquettes. Voilà. Ça aussi c'est fait. Oh merde. Ah, il est mort. Il est mort. Est-ce que le flingue en or est pas le flingue ultime qui s'enraye jamais? C'est magnifique quand même. Et une fois mort, je reciterai pour te tuer une seconde fois. Oui, il y a un peu de ça, Benzaiten, dans les jeux vidéo. Chrysella dit... Attendez, pardon. Oh, j'allais lui offrir une roquette. Quel dommage. Ah, mon coéquipier vient m'aider. Sympa. Oui, Chrysella disait... Oui, la tempête a fait pas mal de bordel, mais apparemment, il n'y a pas eu de dégâts matériels au niveau de sa maison. C'est déjà ça. Déjà hey, ça. T'es blessé. Soigne-toi vite. Oui. C'est le mec qui était sur la rive que je voulais faire sauter. Ah bah il les a butés. Je sais plus. Ils ont plus trop sa pharmacie ici, je crois. T'as pas de trousse à pharmacie, hey, mec. C'est blessé. Soigne-toi vite. Mais t'as pas ce qu'il faut. Oh merde. Au niveau du quai, peut-être. Non, y'a que Puig. Ah, y'a du monde là-bas. Attends, il faudrait qu'il ait une trajectoire bien propre. Peut-être qu'en les provoquant. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Les flammes générées par la roquette à côté du réservoir d'essence, je les fais délibérément pour voir. Boum. Ah là 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 là. Oui, moi je vais bien, merci Endel. Bonjour Endel. Comment ça, Oupsi? Oui, c'est pas grave, c'est rigolo. C'est une farce. Quoi? Ma roquette cachue. Oh, c'est dégueulasse. C'est un scandale. Au moins, ils s'abouchent, ils vont venir. C'est honteux. Je veux surtout une roquette supplémentaire. Rembourser la roquette à la noix. Ouais. Ouais. Ils ont rien ici. C'est nul. C'est le poste le plus nul que j'ai jamais vu. Oh. On va dire soigne-toi toi-même. Bon allez, j'accepte de sauvegarder, mais je suis fou. J'y vais blessé.
Bon, moi, il faut que j'aille à la capitale. Voilà. Je suis mort. Ouais, t'avais pas vu le réservoir à côté, Endael? Bah oui. Mais c'était... Là, au moins, c'était cohérent, tu vois, d'avoir le... Ça qui pète, qui a un réservoir d'essence. D'ailleurs, c'est marqué dessus, donc fuel. Voilà, World Corporation. Oh merde! Il a réussi à... Non, ça me... Ça me dégoûte! Il vise mieux que moi. Alors, Endael... Oui, t'as attaqué pour Endael, Assassin's Creed Irsa m'a fait tellement bien à reprendre. Bah c'est bien. C'est à tout le 100% plaisir, c'est cool, c'est ce qu'ils font. Salopard! Évidemment, il avait qu'à m'allumer avec le réservoir d'essence à côté de moi. C'est limite s'il faudrait pas que je fasse péter le réservoir d'essence avant que j'aille sur le quai. Mais le problème, c'est qu'il y a le bateau à proximité qui va gicler. Et je vais utiliser le bateau pour aller à la capitale. Donc, dur. Ah, du coup, mon coéquipier a du répondant, alors... Ah, là, je crois qu'on les a eus. Du coup, je vais prendre leur navire, je vais pouvoir me tuer. Je vais vérifier les armes. Moi, le lance-roquette, je pourrais presque le jeter parce que j'ai plus de roquette alors. Non, je connais pas World of the Red Hood, the Ares. On me dit rien du tout. Je connais pas Ben Zaitel. Negative shell. Cavalry à la capitale. Capitale qui est par là-bas, si je me dis pas. Ah bah ça surfuse pas. Jeu avec petit chaperon rouge. Eh ben je le connais pas, Ben Zaitel. Ça me parle pas. Attends, je vais faire une centaine de mètres encore avec véhicule. Je comprends pas. Le DJ sur Radio Libération raconte un paquet de conneries. Pourquoi? Pas d'armes à l'intérieur. Je vais les garder. Ils vont massacrer les civils comme du bétail. Une propagande n'est aussi efficace. Il pourrait te plaire. Ah, je regarderai tout ce que vous écrivez dans le chat. Moi, je le sauvegarde donc automatiquement. Donc, je pourrais consulter ultérieurement ce que vous me dites. Merci, Bezaiten. Je vais essayer d'y jeter un coup d'œil dans la semaine. Le problème à vie, c'est que quand les chiens s'associent, ils le font généralement pour massacrer le reste de la meute. Je sais pas de quoi tu parles. C'est sûr. Ils ont des dialogues étranges par moments. Oh, la tête du gars. Alors, bonne nouvelle, cette bataille est bientôt finie. J'ai discuté avec Tambosa et nous sommes tombés d'accord.
Le peuple est inquiet lui aussi, il y a trop d'agitation. Il a besoin d'ordre et de sécurité. Tiens, amène ça à Dogon Sedico. Tambosa sera là-bas, dis-lui que j'accepte son offre. Ensuite, il te donnera une mallette remplie de diamants, beaucoup d'argent, en gage de bonne volonté. Ramène-la ici, comme ça on saura à quoi s'en tenir. Mmh. Eh ben... Tu devrais te demander à qui ce deal va profiter. Y a un petit souci de rythme dans les dialogues. Mais je pense que certaines langues, certains doublages... Il est bien trop suspicieux, c'est un grand jour pour l'Afrique. Je pense que certains langages, les dialogues sont plus longs. Bien, je t'ai trouvé. Cette trêve dont tout le monde parle, c'est une très mauvaise idée. Je sais que tu prends ce boulot pour Tambosa et Mbantoué, mais fais attention à toi. Et à tes amis, tu vas récupérer des diamants, c'est ça? Eh bien, ne les livre pas. Apporte-les plutôt à l'aérodrome. On a demandé à un avion de venir nous chercher. Mais le pilote ne s'arrêtera que si on peut le payer. D'où l'intérêt des diamants. Oh. Quoi qu'il en soit, il faut déjà que je récupère les diamants. Oula, le temps qu'il réactualise. J'espère que je vais retrouver mon flingue en or. Désolé. Une bonne nouvelle? Je peux dire, il est de toi? Sauf qu'il est moi, alors ça courait à Johannesburg il y a quelques mois. Félicitations, mon pote. Je disais qu'il était peut-être temps de partir. Vraiment? Tu ne seras pas tes primes. Il y a une armurerie toute proche. Avec un bébé en route, tu pourras payer à ton gosse toutes les études que tu Mon Dieu! Je sais pas. Nayonette, qu'est-ce que tu me dis, Nayonette? Des menaces de mort. Benzaiten. Je sais que Benzaiten est beau de décoffrage dans le propos, mais de là à faire des menaces de mort, j'ai jamais lu ça. Il doit y avoir une erreur d'interprétation, mon Dieu, quelle horreur. Ah oui, une d'elles, tu fais référence à sous un ciel d'acier. Ouais, non mais le coup de l'objet qui fait 4 pixels, qui est mal placé, bon... C'est... j'ai envie de dire le mauvais goût par moment de certains points et clics d'aventure, et c'est pénible. Parce qu'en fait, ça ruine l'expérience de jeu. Et j'ai peur que cette œuvre-là, sous un ciel d'acier, nous le fasse encore dans les prochaines scènes. Et moi j'aime pas, mais bon. Ouais. Bah, relis plus haut dans le chat, c'est pas drôle du tout, c'est humour noir. Bah, alors, ouais, faudrait que je remonte dans le chat. Mais si c'est le cas, oui, s'il te plaît. Oui, t'as été surpris, Endel, ouais, par la scène, bonjour. Mais non, pour revenir à Benzaiten, oui, s'il te plaît, sois pas trop incisive envers les autres participants de la chaîne. Benzaï, merci, parce que là, tu vois, t'as offensé Nayone qui a pas apprécié. Même si c'est de l'humour, tu vois, que là, il est pas réceptif. Donc, s'il te plaît, Benzaiten, n'essaye de pas paraître agressive envers les autres. Je relirai ultérieurement, mais ça me surprend. Mais je comprends, hein, Nayonet, ta position. D'être offensé. Oh, bah alors. Si je vois que c'est vraiment grave dans le propos, alors là, je le fais pas en direct parce que j'essaye de me détendre. Mais... Ah, Torota, tu vois pas de message offensant? D'accord. Je relirai, promis, consciencieusement Nayonet dans la semaine, et si je vois qu'il y a vraiment un truc qui a été pas bien, Salut, mec. Je ferai le point en message privé avec chacun d'entre vous pour apaiser les tensions.
Ah là 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 là. Ouais, c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression de constater que Ben Zaiten s'est déconnecté de la chaîne. Donc, bon, la technique peut s'en mêler, malheureusement, dans la confusion. Mais j'espère que Ben Zaiten n'a pas quelque chose à se reprocher. Bizarre, bizarre. M'expliquera avec l'intéressé en soirée s'il le faut. Ah, bah mince alors! Pourquoi Ben Zaiten aurait fait sa vilaine? Ouais, t'as fait le nécessaire, Nayane. Dorota, merci. Ouais, bah il est à craindre que je doive rouspéter Ben Zaiten ce soir. Quand je relirai ce qui s'est passé. Ah, ouais, mais je loupe une occasion d'aller à l'armurerie, moi. J'ai pas les flingues qui me plaisent. Ouais, ça va pas. Bah oui, non, ça va pas. Il faut absolument que j'aille à l'armurerie. Aïe, 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 aïe. D'accord. Ok, ton retard. Ça a l'air assez urgent du coup, parce que si tu me laisses un message privé... Oh. Elle aurait vraiment fait sa vilaine. Ça m'attristerait tout ça part. Bon, j'espère que tu n'es pas trop affecté, Nayone. Oh. Dommage, on va pas se détendre. Attendez. Je vais exceptionnellement regarder du coup. Ouais, pendant que ça marche. Oh, qui se passe? Ah, je fais des bêtises. Oui, par exemple. Attends, faut que j'ouvre mon navigateur, que je vois les messages privés sous Twitch. Alors pardon pour le moment de flottement, mais c'est malheureusement nécessaire. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Oui, c'est bizarre, il réagit mal le jeu quand je lui demande de se réduire. Alors, navigateur Opera, il me le charge ou pas? Tabardi, tibidi, tibidi, bidou. Alors, regardons. Par contre, du coup, je me mets exceptionnellement en gros plan. Bah alors... Alors, qui se passe, qui se passe? Kicheb. Ah mon dieu, je bonjour, me vois en rediff. Ah bah c'était le merveilleux. D'accord, ok. Bon, visiblement, il y a de l'urgent important. Je vous mets un peu de zik pour vous détendre en attendant. Et B. Alors, vous m'invitez à regarder les messages maintenant. Ah, oui, je te lis, Nayone. Oh. Ouais, j'en marque que je t'ai lu, mais...
Voilà, là, du coup, je suis attristé. Alors, Torota, merci d'être là, la modération. Ah ouais. Ah bon. Ah ouais, c'est si grave que ça. Bah, j'ai pas lu. Bah. Alors ça, pour une mauvaise surprise, pardon du moment de flottement. Bah voilà, je relis le chat, du coup je le fais en direct parce que... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui ! Elle a été agressive envers Nayonet. Bah alors, qu'est-ce qu'il lui prend ? Ouais, alors, navré de faire la relecture en direct. Mais pour ma part... Bah, c'est bizarre qu'elle te soit rentrée dans l'art aussi gratuitement, il n'y a aucune raison. Bah alors... Bon, bah... Ouais, je... Là, apparemment, elle s'est déconnectée de la chaîne. Mais je lui demanderai de se justifier en message privé. Là, c'est... je comprends pas, effectivement. Elle a fait part d'une agressivité gratuite envers Nayonet. C'est... Ça sort de nulle part, c'est très étrange. Non, bah bien vu. Merci, hein, Torota et Nayonet, pour le... La remontée d'informations, je l'ai pas vu. Ça se tient en une réplique, mais très agressive. Du moins, principalement. Oh. Ah oui, tu précises. Merci pour les infos. Ah. Ah. Ah, je savais pas qu'elle faisait ça hors antenne. D'accord. Effectivement, elle aura un comportement qu'on pourrait maintenant qualifier de suspect. Ok, merci. Bon, bah, je verrai avec l'intérêt. On se détend, hein. On est dimanche. Moi, je suis pas là pour... hein. Vous savez, on est baba cool. Je vais vite reprendre le jeu. Pardon du moment de flottement, mais là, c'est vrai que c'était nécessaire. Parce que j'étais pas au courant de ces agissements. C'est regrettable. Ouais, ouais. Bon, bah, je verrai avec l'intéressé ce soir en message privé. Ah, oh, c'est dommage. On est une petite communauté peinard, normalement. Oui, t'en fais pas, Torota. Mais merci, merci, merci. Ouais, 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 c'est bon. Je viens de te lire, Nayane. Je viens de te lire. En général, j'essaie de pas gérer le Discord en même temps que mon direct. Mais bon, c'est exceptionnel, là. Eh ben dis donc. Ouais. Bizarre. Bizarre de sa part. C'est vraiment, ça m'étonne. Hein, je vous le dis. Depuis que je la connais. Bizarre. Bon, allez. Retour au jeu. Toc. Oublions cette tension malheureuse. Tac. Que je vous lise. Voilà. Et qu'on retourne dans l'immersion complète du jeu. Mais je suis vraiment désagréablement surpris. Là, c'est... Je la voyais pas comme ça. Hein, comme quoi, dans la durée, on finit par vraiment découvrir les gens. Et apprendre à les connaître. Là, je suis déçu de sa part. Mais bon. Bref. Mmh.
Aïe 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 aïe. Bonsoir Poupon. Enfin bonjour, tu vois, je me laisse influencer par ton bonjour. Ah là là. Oui, ça on sait que Ben Zaiten est particulière, mais là, d'être aussi méchante gratuitement, c'est vrai que ça passe pas. Enfin bref, passons. Comment ça va Poupon? Pas le temps de me baisser, il m'a trucidé. Dommage. Ah là là. Tchang tchang tchang, ambiance à Fouken. Alors je fais juste le fait de chercher les diamants, puis après j'arrête, on va jouer avec Nayonet justement pour bien changer les idées. À... Attends-toi que d'ici un quart d'heure on joue à Flat Out 2, Nayonet. On s'amuse comme des petits fous. Ah, je pensais. Ah, oh, je vise mal. Commande. Comment ça, commande. Ah non, il m'a eu. Je pensais l'avoir rincé. Alors, content d'être de retour dans le monde civilisé. T'as retrouvé l'eau courante? Oui, on fire, on parle pas. J'entends une musique de fond bizarre. Ah, c'est moi qui ai laissé ma musique en arrière-plan, pardon, en même temps que le jeu. Ah, merde, boum. Ah, puis bon, clavier virtuel qui croyait que je redemandais la, ma rediff Twitch en même temps, c'est n'importe quoi. Ouais, l'eau courante, le puits est à 200 mètres, il faut courir pour y aller. Non, sérieux? Eh ben. Du coup, j'ai plein de musique en même temps, là. C'est multi-musique. Vous entendez la musique du jeu, la musique libre. Par là, visiblement. Ah, l'armurerie. Ouais, je vais m'arrêter à l'armurerie. Là. Place mon lance-roquette par mortier. Lance-flamme. Ouais, m'amuser à prendre des explosifs, ça peut être pas mal. Ah, c'est une blague, d'accord. Non mais je me méfie, hein, la Bretagne, je connais pas. Hein. Je me méfie.
que même moi sur Nancy, pardon, mais chercher l'eau au puits pour arroser un potager, j'ai connu. Le bon puits où vous faites de la gym à pomper pour avoir la flotte, j'ai connu ça il y a un an et demi. Et croyez-moi que ça entretient les muscles. Allez, on va se faire du Flat Out 2 avec Nayone. C'est quoi cet ostracisme anti-breton? M'en parle pas. Bizarre l'image qu'il y avait en mémoire de la carte graphique là où du jeu. Qui était la mercenaire qui attendait dans la baraque de la capitale. Allez-y.